Yo! Écoutez, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que, bon, c'est un peu la course, il est 14h44, il faut que je me dépêche. Aujourd'hui, on est parti pour un Get Ready With Me parce que ce soir, il y a le concert de Joe Doit Filette. Et en plus de ça, je vais faire un make-up que vous avez l'habitude de me demander. Je le fais tout le temps sur Instagram, etc. Et vous me demandez souvent un tuto. Et comme ça fait très très longtemps les tutos make-up, je me suis dit go. Donc, je vais tout faire avec vous, hein, le teint, le make-up et tout. Avant ça, je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu parce que je suis en partenariat avec Filorga et j'ai reçu plein de coffrets de Noël à vous montrer. Et ne quittez pas la vidéo maintenant parce qu'en fait il va avoir un concours et je vais vous expliquer les modalités, c'est super simple. Franchement les gars, ça va faire bientôt 2 ans là que je travaille avec Filorga. Faites-moi confiance quand je vous dis que c'est une marque pépite. J'adore cette marque. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos et ça va s'afficher également à l'écran parce que je sais que vous adorez ça. Vous adorez voir les petits prix, etc. etc. Et je vous explique un à un comment ça se présente. On va commencer par ce coffret-ci qui est le coffret du NCEF Reverse, ou Reverse dit à la française. Donc c'est un coffret qui va être idéal à offrir ou à s'offrir pour les personnes qui en sont en quête, voilà, de fermeté, d'éclat, qui sont en quête aussi de réduire les rides, d'en prendre soin. À l'intérieur, évidemment, vous allez y retrouver la crème NCEF Reverse, donc qui est une crème multicorrection, rides, etc. Il y a également le NCEF Shut, donc le concentré de shot, et une bougie parfumée. Donc ensuite on continue, on a le coffret Lift Structure pour la tonicité et la fermeté de la peau, dans lequel on va retrouver la crème, le sérum ultra liftant et aussi la crème de nuit ultra liftante avec évidemment la même bougie. On passe ensuite au rituel hydratant repulpant avec le coffret Hydraial, dans lequel vous allez retrouver la lotion micellaire mais aussi le sérum Hydraial, le sérum qui est repulpant hydratant qui est génial d'ailleurs. Évidemment sans surprise on y retrouve une petite bougie parfumée très sympathique. Pour tout ce qui va être déshydratation, manque de fermeté, les rides très marquées, on va avoir le coffret Global Repair. Vous savez c'est les produits tout noirs, oula, tout noirs chez Filorga. Donc à l'intérieur vous avez l'essence Global Repair, donc c'est une lotion multi-revitalisante. On a également le Global Repair Eyes and Lips, donc c'est un soin en fait qu'on va pouvoir utiliser et pour le contour des lèvres et pour le contour des yeux. Et pour finir on a la crème qui est la crème normale, ouais, la crème Nutri Jeunesse multi revitalisante, toujours avec la petite bougie. Honnêtement ça c'est le genre de coffret que je peux totalement offrir à ma mère pour les fêtes, vraiment packaging de ouf. Et ma mère je sais que elle adorerait recevoir ça. Enfin, je dis ma mère, mais ma mère, ma tante. Vraiment, c'est le genre de cadeau qui fait ultra plaisir. Ensuite, pour toutes les personnes qui vont chercher à réduire leur cerne ou à prendre soin de leur contour des yeux, il y a le coffret Optimize. Pour ceux qui connaissent pas, ce que je doute, parce que bon, déjà j'en ai parlé 25 000 fois sur ma chaîne, mais surtout c'est très connu Optimize chez Filorga. C'est un contour des yeux défatigant intensif 3 en 1, qui est génial d'ailleurs, avec sa solution micellaire qui va venir hydrater, démaquiller et nettoyer la peau. Et il y a évidemment la bougie parfumée. Si vous êtes comme moi, vous allez adorer ce coffret puisque c'est le coffret Time Filler. Time Filler qui est l'un des best-sellers de la marque Filorga, qui a été reformulé. Donc avant c'était Time Filler normal, là maintenant c'est Time Filler 5 XP disponible en 2 versions, en gel crème et en crème riche. Donc dans ce coffret on va avoir le Time Filler intensif qui est le sérum, la crème Time Filler 5 XP en version normale et le Time Filler Night avec évidemment la petite bougie. L'avant-dernier c'est un petit coffret comme cela, pardon. Dedans on a 2 formats voyage, donc Time Filler 5 XP en peau comme ça, ce qui est très cool quand tu voyages, et le mésomasque masque lissant illuminateur qui est très bien, je l'aime beaucoup, et Time Filler intensif, donc le sérum. Pour terminer évidemment on finit avec le calendrier de l'avant qui se présente comme ça. C'est drôle qu'il soit sous cette forme là. L'année dernière il était en calendrier de l'avant, vous savez, basique où t'as des petites cases à ouvrir, et là, mais après c'est pas plus mal parce que là on a vraiment une petite pochette qui est canon d'ailleurs et qu'on peut réutiliser, alors que le calendrier de l'avant en général on s'en resserre pas forcément. Et à l'intérieur on a 25 petites cases. Je vais pas l'ouvrir dans cette vidéo parce que comme je vous ai dit, bah, j'ai ma série de calendrier de l'avant à ouvrir avant décembre, donc je le ferai à ce moment là dans une autre vidéo. Mais par contre je vais vous dire à peu près ce qu'il y a dedans pour ceux qui sont intéressés. On va y retrouver un bandeau de soins, des éponges nettoyantes, on va y retrouver pardon, des crèmes hydratantes comme la Hydraial, comme la NCEF River, comme la Time Filler 5 XP, la Time Filler Night. Il y a également des sérums, des masques de nuit. Ils ont vraiment fait un mix de tout
pour le visage et les yeux et les lèvres, notamment même des pinceaux applicateurs, des disques démaquillants, un bandeau de soins pour les cheveux. Il y a également des produits pour les yeux, donc que ce soit des sérums, des crèmes, des soins, il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a pas mal de sérums, de crèmes hydratantes, des masques également. Si jamais il y a l'un de ces coffrets qui vous plaît ou le calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram tout de suite après cette vidéo parce que je viens de poster un concours en story où vous pourrez remporter justement l'un de ces coffrets. Mon compte Instagram, bah, c'est Somoy, il s'affiche juste ici, ou alors vous le retrouverez évidemment en barre d'infos, c'est la même chose que ma chaîne YouTube. Je vous souhaite bonne chance et trop hâte que vous me fassiez des retours sur ces produits. Maintenant, makeover, let's go. Je vais venir appliquer ma crème hydratante partout. Je vais ensuite prendre la base Milk. J'adore aussi cette base, j'utilise que ça en ce moment. L'anti-cerne Huda en teinte Tres Leches. Alors là, je me la dose. Vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est ma teinte comme ça, mais c'est ma teinte. C'est juste parce que mon visage est blanc, mais en vrai, mon cou, il est jaune. Anti-cerne de chez Huda, évidemment, teinte 4-5. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est juste estomber, voilà, le contour, et après, à l'intérieur, je le laisse sécher. Là, je vais juste aller faire mes sourcils hors caméra parce que c'est grave chiant, et je reviens. Heureux, ne soyez pas choqués. C'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais... Ça, c'est peut-être foncé et tout, mais c'est parce que je suis pas encore maquillée. On va venir estomper. Et là, je vais mettre le Pat McGrath en teinte 11, qui est plus clair et c'est vraiment juste pour illuminer. Et celui-là, je le laisse pas du tout sécher, je l'estompe tout de suite. Poudre Charlotte Tilbury, j'en ai quasiment plus d'ailleurs. Alors là, je vais tester un nouveau blush, c'est le Rétro Rose de Dear Dahlia. Oh, waouh. Oh, j'adore. Incroyable. Ma poudre Flora 6. Désolée, je peux pas trop regarder en haut. Pour mes yeux, super simple, je reprends du bronzer, hop. J'en applique comme ça grossièrement. Ensuite, on prend un fard plus foncé, un pinceau plus petit. Et on intensifie à l'intérieur, à l'extérieur, tout simplement. Vraiment trop simple ce make-up. C'est vraiment le make-up de la flemme. Attendez, faut juste que je fasse mes lèvres avant la fin de mes yeux pour savoir si j'intensifie ou non. New Truffle, comme d'hab. J'intensifie avec le Koa de Sonanas, très rare beauty. Aux ongles, je mets un Primark. Et voilà, et vous voyez, là, je vois que j'ai besoin d'intensifier. Je vais venir faire mon cut crease avec le MAC Paint Pot Soft Ocre, pardon. Alors, petit à petit, si vous savez pas faire de cut crease, je vous recommande vraiment d'acheter les pinceaux Nojo Beauty. Attendez, je vais vous donner le numéro, je crois que c'est E50, pardon. Ils sont tellement précis et plat, vous aurez juste à poser, voilà, l'un après l'autre, et ça vous fera votre queue de crise. Là, je reprends un fard marron, et avec un pinceau plat, je fonds, tout simplement. Dans une palette, on a récupéré un fard beige, je vais prendre celui-ci. C'est la palette James Charles avec Morphe. Et on vient matifier le Paint Pot. Petit trait de liner, évidemment, là je prends le Kiko, c'est le Charming Escape, je vais le faire bien gros parce que je vais mettre des giga fossiles. Petit mascara Climax de chez NARS. Go mettre mes extensions maintenant. Mon petit gel Echo. De toute façon, ça le tuto, vous l'avez sur Insta. Je suis désolée, j'ai terminé de me coiffer, j'ai levé la tête, j'ai vu que la caméra ne filmait pas du tout. Du coup, j'espère que ça a pris pas mal de choses en considération, que ça a filmé pas mal de choses. Si c'est pas le cas, je suis vraiment désolée parce que là, du coup, bah, je me suis coiffée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, le Get Ready With Me. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bah, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas d'aller sur mon compte Instagram pour le jeu concours. Je vous retrouve en commentaire et d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao, ciao. Mouah, mouah, mouah.